Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur le circuit d'Autriche à Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring. Et donc on voit ici, on commence la séance avec donc des nouvelles au niveau du R&D, c'est-à-dire qu'on se retrouve pour l'instant entre Williams et McLaren, avec Williams qui a apporté des améliorations ici sur ce tracé. Donc nous, eh ben, notre objectif défini par Cyril, c'est d'atteindre les 2000 points à l'issue de ce week-end pour pouvoir lancer deux recherches et développements à la fin de week-end, donc le Monkey Seat et puis l'aéro au niveau des amortos. Pour l'instant, place à la séance d'essais libres et donc le tour de repérage du circuit. Donc on va faire brièvement les tests R&D. Donc je vous fais juste le tour complet avec le tour de reconnaissance du circuit. Donc une météo qui a été pas très bonne pour ces séances d'essai libre. On a eu une météo assez menaçante, pas eu de pluie, mais on aurait pu, mais heureusement ça s'est pas passé. Donc finalement on s'en sort bien et je suis très content d'être là sur ce circuit, parce que c'est un circuit que je kiffe, hein, clairement, sur lequel je suis super à l'aise. Et même si pour le coup je suis super à l'aise, j'ai quand même pas mal de petites surprises avec la monoplace. Donc les réglages qui m'ont été fournis par Cyril et Geeks, hein, qui ont été testés, m'ont tout à fait convenu. Alors j'ai mis les réglages qui ont été ajustés par Geeks, hein, pas les réglages par défaut qui ont été trouvés sur les sites. Et c'est vrai que j'ai trouvé une voiture qui était bien, bien agréable à conduire. Un tout petit peu de glissade en sortie de virage à la réaccélération, mais ça après... Une fois qu'on le sait, on arrive à prendre nos repères. C'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps à la réaccélération, mais bon, voilà. Donc le premier test, un test de reconnaissance qui se termine. J'ai pas le maximum des points, comme à chaque fois. Mais néanmoins, j'ai suffisamment de points. J'ai réessayé plusieurs fois, hein, de faire le test de reconnaissance du circuit. Je suis pas arrivé à faire un perfect. Mais voilà, en tout cas, on a fait au maximum. Donc là, le test de sprint, donc, qui a été validé aussi. Et enfin, le test d'usure des pneus, qui lui aussi a été validé. J'ai juste eu un tour où j'ai un petit peu plus attaqué et sur lequel j'ai un petit peu trop abîmé les pneus, notamment dans le dernier virage, les dernières épingles. Donc là on voit ici l'évolution de mes chronos au fur et à mesure de l'usure des pneus, pour voir que effectivement en fait j'avais des performances qui étaient plutôt en dents de scie. C'était un peu compliqué, mais bon, ceci étant, ça m'a pas empêché de bien apprécier le circuit. Donc les objectifs qui m'ont été fixés pour la séance de qualification qui va avoir lieu dès maintenant, c'est de me qualifier au moins 10e ou mieux et d'être devant mon coéquipier et devant Magnussen. Donc on voit qu'au défi des coéquipiers pour l'instant, c'est Ericsson, pardon. Au niveau des défis du rivaux, je suis quand même relativement en avance. Et donc on part dans Q1 avec, on me propose de faire partir avec les ultra soft et je vais essayer de les préserver pour Q2 et Q3. Et donc je vais partir avec les super soft. Et donc on est parti pour faire quelques tours avec les super soft. Donc on est parti, on lance le chrono ici. Zone de DRS. On arrive sur un freinage en montée. C'est un circuit qui est très vallonné, hein, qui fait penser un petit peu au niveau de l'infrastructure, dans la forêt et tout ça, un petit peu à Spa. Mais et puis beaucoup de montées et de descentes, hein, tout le long. Ici on a un énorme freinage vers une épingle en montée. Bien arrivé à choper le point de corde ici. Là, tous les pilotes qui ont un petit peu un freinage tardif du coup arrivent à compenser avec la montée, ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite on arrive ici dans une partie un peu plus sinueuse avec un grand gauche qui arrive ici où on tourne autour du taureau rouge. Magnifique statue du taureau rouge. Et puis la dernière secteur qui est très sinueux, qui va amener sur une descente qui donne accès à l'entrée des stands et aussi à un dernier virage quasiment en angle droit vers la ligne de départ arrivée. Alors c'est un circuit avec le temps autour qui est très rapide, hein, moins d'une 10 pour les meilleurs.
Et vraiment, c'est vraiment, franchement, je kiffe ce circuit. Du coup, sur cette vidéo sur la course et les qualifs, vous n'aurez pas Cyril. Non pas que j'ai décidé de ne plus faire les vidéos avec lui, non, ne vous inquiétez pas. Tout simplement parce que le soir où j'ai tourné ma vidéo, il y avait les essais libres du GP des États-Unis, puis aussi un streamer, un youtubeur que je suis depuis pas mal de temps et sur lequel je vous ai déjà parlé pendant les lives, c'est bizarre, je mettrai le lien de sa chaîne Twitch et YouTube dans la description de ma vidéo, et je vous invite vivement à aller vous abonner à sa chaîne et à le follow sur Twitch. Il fait des lives tous les soirs à partir de 21h30, pas sur de la F1 mais sur du Flight Simulator X, et franchement ça vaut franchement le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour et puis d'aller regarder un petit peu ce qu'il fait, parce que tous les soirs il fait un vol différent avec un appareil différent et il vous explique tout de A à Z sur l'aviation, sur les commandes à bord de l'avion, sur quoi sert, enfin quelle chose sert à quoi. Et franchement, c'est super agréable, et en plus il explique bien, et puis il fait des lives de qualité, puis on sent que c'est un gars qui maîtrise le pilotage de l'aviation comme des grands youtubeurs de sport auto qui maîtrisent la conduite. Et bien lui maîtrise parfaitement le pilotage des avions en tout genre, et franchement moi, à chaque fois que je vais aller voir ses vidéos, quand je repars de ces lives, j'ai appris des choses et ça fait plaisir. Donc je vous invite vivement à aller vous abonner à sa chaîne YouTube sur laquelle il met les rediffusions de ses lives en plusieurs parties, d'ailleurs sur des lives d'une heure, une heure et demie, il met des petites parties de 15 minutes pour qu'on puisse passer d'un épisode à l'autre sans avoir à se payer une heure de vidéo, ce qui est très sympa. Et donc tous les soirs, sinon il est en live à partir de 21h30 sur Twitch. Et je vous invite vivement à aller vous abonner, à follow sa chaîne, parce que franchement c'est top. Et donc voilà, ce soir-là il faisait un vol un petit peu à la demande de Cyril, et un petit peu voilà, un petit clin d'œil pour notre ami Cyril, de Paris au sud de l'Espagne. Et donc j'avais pas envie de déranger Cyril pendant cette visionnage et puis pendant les essais libres. Donc je me suis fait ma petite vidéo en solo, mais vous retrouverez Cyril dès le prochain Grand Prix, ne vous inquiétez pas. Voilà, on revient aux qualifications, et donc on est toujours en Q1. Et donc pour l'instant j'ai le 12e temps, c'est pas terrible avec les super soft. J'ai malgré tout réussi à avoir le premier secteur en violet, mais ça va pas être suffisant, à mon avis il va falloir que je rentre au stand pour aller chausser les ultra soft si je veux arriver à m'extirper de Q1, parce que là pour l'instant c'est plutôt mal engagé. Alors que mon tour se passait bien, je me loupe complètement et je vais aller mettre la voiture dans les graviers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez observé, je ne sais pas si sur console c'est le cas aussi, depuis la dernière mise à jour, lorsque la voiture va dans le bac à gravier et qu'elle revient sur la piste, lorsque vous repassez au secteur où vous êtes viandé, vous avez les traces de roues sales avec la poussière de terre ou de gravier qui reste sur la piste. Alors, on appréciera le geste. Mais c'est dommage qu'au fur et à mesure des tours, cette espèce de trace ne s'efface pas et ça ne s'estompe pas. En fait, elle y est, elle reste jusqu'à ce que mort s'en suive, si je puis dire. Donc voilà. Mais bon, on appréciera l'effort. Ah, autre chose à déplorer aussi, qui a été remontée dans les commentaires, j'avais remarqué, c'était que les pannes moteurs n'arrivent que au pilote IA, et on n'a jamais vu encore pour l'instant un pilote, quel qu'il soit, que ce soit des pilotes, Jeff, moi ou d'autres youtubeurs, avoir une casse moteur pendant la course. C'est dommage, parce que ça pourrait faire partie des pannes random qui puissent arriver sur la voiture. Alors j'ai déjà eu des DRS tomber en panne, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu à la limite, mais j'ai jamais réellement eu à être en difficulté avec la voiture, que ce soit avec des problèmes de température de pneus ou des problèmes de, enfin des températures de frein plutôt, ou des problèmes de moteur qui est sur le point de lâcher ou qui lâche d'un seul coup, tout simplement. Donc bon, dommage que les pannes que l'on puisse rencontrer ne soient pas un peu plus fréquentes, alors que là j'améliore de presque une seconde mon temps,
ça me fait remonter à la 14e place, mais tout le monde améliore en fait, parce que la piste elle est dans de bonnes conditions, il fait beau, elle s'échauffe, et du coup tout le monde améliore ses chronos, et d'ailleurs on voit, hein, je suis déjà redescendu à la 15e place, et je suis toujours avec les super soft, et tous les autres sont en ultra soft, alors il va falloir arrêter de jouer un petit peu au kamikaze, et il va falloir se sortir le dos du cul, comme on dit. Et puis on va mettre les ultra soft et on va aller taper le chrono. Alors comme d'hab, vous avez l'habitude, mes qualifications sont en intégralité. Il n'y a pas de... On n'est pas là pour chicaner. Moi j'aime bien mettre les qualifs en intégralité, voilà. Autant... Je résume sur la séance d'essais libres parce que voilà, c'est pas forcément très important. Histoire de juste avoir les résultats des essais libres à la fin, ça suffit. Mais les qualifs, pour moi, c'est important. C'est comme quand on regarde la séance de qualification à la télé. On aime bien avoir toute la séance, pardon, excusez-moi. On aime bien avoir toute la séance en intégralité. Et puis c'est un petit peu ma marque de fabrique. Depuis le début de la chaîne... Donc là on a décidé de rentrer au stand avant que la séance se termine et qu'on soit un peu dans le mal à cause du chrono. On va aller vite aller mettre une paire d'ultra soft et puis on va aller se sortir de la zone de danger parce que là pour l'instant tout ce qui risque d'arriver à vouloir jouer un petit peu les économes au niveau des pneus, c'est de se retrouver pénalisé et exclu de Q1 pour une bêtise alors qu'il reste que 7 minutes 30 dans la séance, donc ouais, effectivement il faut y aller maintenant. Voilà, c'est parti, on sort les ultra soft. Alors je le rappelle pour ceux qui débarquent sur les vidéos, parce que je sais que depuis qu'on travaille en collaboration avec Jeff et Despielo, j'ai de nombreux abonnés qui viennent et qui découvrent la chaîne, donc si vous avez eu la flemme de regarder la description de la vidéo, donc je joue en niveau expert avec au niveau des aides le contrôle de traction à moitié et les vitesses automatiques, et c'est toutes les aides que j'utilise actuellement. Alors vous me direz pourquoi ne pas faire les vitesses en manuel alors que tu as un volant. Parce que j'ai envie de passer, enfin de prendre du plaisir à faire ce que je fais, pas à me prendre la tête, et comme j'ai pas forcément le temps de passer des heures et des heures à faire de la Formule 1 tous les jours, bah du coup voilà, après je la joue comme ça. Je sais que Jeff joue avec pas mal d'aide, Despielo joue sans aide, ils sont à des niveaux un petit peu plus élevés que le mien, mais voilà, c'est... On fait chacun des choses différentes, même si ça reste le même jeu. Mais voilà, petit à petit, je prends mes marques sur ce nouveau F1 2016. Et puis on verra par la suite. Alors là, pour l'instant, je suis bien en amélioration sur mes chronos. Même si je suis pour l'instant toujours 15e. Pour l'instant, un chrono qui s'améliore de 2 dixièmes. Pendant ce temps, Raikkonen prend le meilleur temps autour. Et là, je me loupe ici, la voiture qui a complètement dérivé. Et je me fais complètement percuter alors qu'il y avait le drapeau jaune.
par la voiture de Felipe Massa. Felipe qui est arrivé comme une balle dans ma voiture. Alors j'ai eu du bol parce que lui, donc, il a tué sa voiture, mais par contre moi j'ai eu du bol, j'ai eu juste l'aileron avant qui a claqué. Je suis un peu deg, hein, parce que du coup ça a pu pénaliser Massa. Et moi, ça va mettre un terme à ma séance, puisqu'il reste 2 minutes 50 dans la séance et le temps qu'il me répare mon aileron avant, j'aurai pas le temps de ressortir en piste. Et je suis 14e malgré tout, puisque mon amélioration n'aura pas permis d'être mieux que ça sur la grille, alors que j'étais parti pour faire au moins un temps qui me permettrait d'acquérir la 10e place, hein, je pense. Mais là, avec cet accrochage avec Massa, alors ça allait très vite, hein, difficile de faire différemment. J'ai pas forcément regardé sur la minimap, mais j'ai perdu donc le contrôle de la voiture. J'ai essayé de faire en sorte de pas la foutre dans le mur, parce que effectivement la séance ne me laissait pas beaucoup de temps encore pour essayer d'améliorer mon chrono. Et puis j'ai entendu une voiture arriver et elle m'a tapé de plein fouet alors qu'il y avait les drapeaux jaunes. Je suis vraiment désolé pour Massa, hein, c'était pas volontaire. Mais voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Ça aurait pu être plus grave, on aurait pu casser les deux bagnoles, mais il y a eu que la sienne qui a reçu. Et donc là, la séance qui est quasiment terminée, hein, suite aux opérations de réparation. Et ouais, d'ailleurs, la séance est terminée. Grosjean qui a fait le 7e temps, et je finis donc à la 15e place. Felipe Massa, 16e, donc je partirai avec 5 places de pénalité sur la grille. Hein, et donc parmi les éliminés, on a Wehrlein, Arianto, Eriksson, Magnussen, Nasser et Palmer. Donc les deux Manor, les deux Sauber et les deux Renault. Donc il va falloir que je me déchire, en tout cas en Q2 et Q3, parce que... avec les 5 places de pénalité sur la grille, ça va être compliqué en tout cas. Allez, on va passer à Q2 maintenant. Et donc Q2. Q2, on va laisser passer un petit peu de temps avant de se mettre en piste. Et puis on va aller taper du chrono. Alors on va laisser passer les 5 premières minutes. Et puis on va aller regagner la piste. Allez, c'est parti, on déclenche le chrono. On arrive là, on est à fond dans le premier secteur. On a pour l'instant Ricciardo qui tient le meilleur tour dans le record du tour. On est un tout petit peu plus rapide que le pilote australien dans le premier secteur. Allez, il faut bien prendre le point de corde ici, on est pas mal. On réaccélère sur la ligne de conduite. Attention ici à ce freinage. Et on va voir où on en est à la fin du deuxième secteur. Ricciardo qui a fait un 48-977. Et nous on finit le deuxième secteur en 48. On a fait 80 millièmes de moins que Ricciardo. On est encore un tout petit peu en avant sur le pilote australien. Et donc son tour, une 10 482. Si je dis pas de bêtises, je vois pas bien. Hein. Et nous on se jette là dans la dernière accélération. On a perdu un petit peu du temps et on est à la troisième place derrière Ricciardo et Bottas. Ce dernier troisième secteur, hein, sur lequel on a perdu du temps, c'est le fameux troisième secteur où tout à l'heure on s'est planté et où on a eu notre accrochage avec Massa. Alors je sais, dans les commentaires vous allez me dire oui, mais t'as fait du zigzag sur la piste, c'est de ta faute, t'aurais dû rester sur le côté de la piste. Mais c'est qu'en fait j'avais pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait sur la minimap. J'ai absolument pas regardé la minimap, j'étais absolument complètement omnubilé et concentré sur le fait de pas foutre la voiture dans le mur et de repartir au plus vite pour aller essayer d'améliorer mon chrono, mais j'ai complètement pas fait attention à la minimap. Et au fait que potentiellement je pouvais être un danger pour une voiture qui arrivait.
Alors que pendant que je m'explique, il y a le premier secteur que j'ai allumé en violet, le deuxième secteur aussi, parce que là j'améliore vraiment mon chrono, là, 4 dixièmes de mieux. Je suis bien mieux passé là, dans ce troisième secteur. Et là c'est festival ici à la réaccélération, on améliore pratiquement de 6 dixièmes. Et on va s'emparer du deuxième tour à 20 millièmes de Ricciardo. C'est vraiment un poil de cul, hein. Vraiment il n'y a rien entre les deux voitures. Et là je suis super content et super confiant parce que je me dis là la voiture elle marche au top. Les réglages sont nickel, c'est un circuit que je kiffe. Là il y a moyen d'aller chercher des gros points ce week-end malgré la pénalité. Et franchement, il n'y a aucune raison pour que ça se passe différemment. Là, on va sagement aller ramener la voiture au stand. Parce que je pense que là, pour cette séance, on n'a pas de quoi s'affoler plus que ça. Millième quoi, un poil de zub entre les deux voitures, franchement c'est ouf, ça fait plaisir hein, de voir la voiture à si bonne forme. Alors oui, ok, je sais, vous allez me dire oui mais t'es un expert, c'est pas un exploit, mais pour moi c'en est un, parce que je suis pas un PGM moi en pilotage, même si je kiffe ça. Allez, on met les petites couvertures chauffantes qui vont bien. Branchez-moi la radio et je vais aller regarder la télé. Allez, il reste moins de 4 minutes dans la séance, on fait passer en accéléré. On n'a franchement pas de quoi trop s'inquiéter. On est redescendu à la 3ème place, mais c'est pas ouf. Et même on finit à la 4ème place, mais voilà, en tout cas, on fait partie de Q3. Alors que Q1 était mal engagé, et parmi les éliminés de Q2, Danny Kia, Jenson Button, Sergio Perez, Fernando Alonso, Carlos Sainz, donc les deux McLaren, les deux Toro Rosso, et il y a donc une Force India qui vient s'inviter dans le top 10. Hülkenberg, futur pilote Renault. Drôle de choix pour le pilote allemand, pourquoi pas en même temps. Et allez, on est parti. Dans cette séance, dernière séance de qualification, la séance qui va déterminer notre position sur la grille, plus 5 places. Alors que la météo s'est bien chargée et on a vu en faisant passer un petit peu le temps d'accélérer, qu'ils annoncent même des gouttes de pluie d'ici la fin de la séance. Donc pas trop rester au stand à attendre que le café refroidisse. Il faut vite aller au turbin parce que là la pluie elle est pas loin et c'est pas le moment de se faire avoir pour des conneries. Attention à la réaccélération ici, ça a été un petit peu tangent, hein. On a un petit peu dansé la samba. Et ça va, ça s'est géré. Oh, le coup de freinage pourri ici. On a bien allumé les gommes, parfait. Les ingénieurs de chez Pirelli qui apprécieront. Et là aussi on s'est bien foiré, on est allé faire encore une belle sortie de courbe à l'extérieur. Là aussi pareil, on s'inscrit mal dans le virage. Ça c'est un tour de merde, clairement. C'est un tour brouillon. Et on va relancer pour une deuxième salve. Allez, on va aller même faire un tour dans les publicités, paye câble, alors là comme ça on nique toute la relance.
C'est parfait, changez rien. Allez, on envoie du pâté là maintenant, ça y est, c'est parti. Premier secteur, on est un dixième de mieux que le meilleur temps. Vraiment une fusée ce as dans ce premier secteur. Alors qu'il reste moins de 5 minutes dans la séance. Il va pas tarder à commencer à tomber des gouttes de pluie. Alors là, on négocie bien mieux les virages. On améliore même, on voit le chrono, hein, il s'améliore bien mieux. On va voir l'issue du second secteur, comment on est par rapport à Ricardo. Et on est à 13 millièmes plus vite que lui. Encore une fois de plus, hein. Le fameux poil. Et là, ce troisième secteur, hein, qui à chaque fois on se fait avoir, on est trop à l'intérieur, on met les roues dans l'herbe. Du coup, on perd en motricité et on perd du temps, même si là, ici, on a bien négocié ces enchaînements de virage, on améliore notre chrono. Mais en même temps, c'est pas un miracle. Voilà, on est à une demi-seconde de Ricardo, on est à 7ème place, et là on va essayer de, sur un ultime tour, d'essayer de pousser très fort avant la pluie pour remonter encore un petit peu de quelques places. Pour l'instant on est à la bourre dans le premier secteur. On a 31 millièmes de retard sur Ricardo. Là on relance mieux ici, on a 2 dixièmes d'avance. Allez, on y va. On est sur la bonne trajectoire. On la voit, hein, elle est bien dessinée maintenant avec tout le dépôt de gomme. Et là, on se foire au freinage. Du coup, on perd du temps. On va aller mettre les roues dans l'herbe. Et allez, on perd la voiture encore une fois de plus. Ça y est, c'est parti. C'est le chasse-neige. Et on va taper le muret des pneus et on revient sur la piste, doucement mais sûrement. Attention à ce qu'il y ait une voiture qui arrive derrière et qui nous empale. Ça va. Il y a eu de bobo pour personne. Et allez, on relance sur un dernier tour. Attention derrière, il y a une monoplace quand même. De ne gêner personne. Et du coup on relance, là on est bien lancé. On a Romain là, qui ressort juste devant nous. On a une dixième d'avance sur Ricardo. On s'est un peu foiré au freinage ici. On a pris un peu au large. Du coup, forcément, bah voilà, hein, on perd du temps. Et on a Romain Grosjean qui est sur la trajectoire et qui cherche même pas à nous laisser passer. Hein, au calme. Rien à foutre, le pilote de la Haas. Là, ouais, il a peut-être oublié qu'il est en train de jouer sa place de leader dans l'équipe. Il faudrait pas trop qu'il fasse le show. Et là pour l'instant on est 4 dixièmes en retard, hein. Ça y est, les pneus ultra soft qui sont plus au mieux de leur forme, et là du coup on perd encore une fois la voiture et on se remet sur la trajectoire. Et cette fois-ci c'est Rosberg qui est venu nous pousser un petit peu. On va regarder, donc la voiture est morte, hein, donc fin de séance pour nous. On va regarder avec la caméra télé ce qui s'est passé. Mais pourtant j'étais, voilà, donc là j'ai complètement perdu la voiture, je suis revenu sur la piste, tranquillou. Et Rosberg qui arrivait plus vite, qui est arrivé derrière nous et qui nous a poussé dans le muret. Voilà, hein, gentil, tranquille, voilà, bon bah c'est fin de séance pour nous. Voiture à réparer et du coup ça fera donc 7 plus 5, ça fera la 12ème place sur la grille. Et ben voilà, tant pis, tant pis, tant pis. Donc voilà la grille, hein. Les deux Red Bull qui partiront en tête à domicile. Donc bonne opération pour l'écurie Red Bull Racing. Derrière on retrouve les deux Mercedes puis les deux Ferrari. Et je partirai donc à la 12ème place. Hein. Et donc voilà, donc une course qui s'annonce palpitante. En tout cas, il y a moyen de faire des gros points ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.